c'est Madame Sans Opinion. Celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, ou pas, sur l'Eurovision. Vous savez, ce concours de chant international organisé cette année à Liverpool au lieu de Kiev, puisque l'Ukraine a, comme qui dirait, à quoi poney. Oui, enfin, les poneys ressemblent plus à des chars d'assaut et la piscine est remplie d'un mélange de boue, de sang et d'éclats d'obus, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, ce qui m'emmerde avec l'Eurovision, justement, c'est la focuserie dont font preuve les organisateurs en prétendant ne pas faire de politique. Alors qu'en réalité, c'est comme la kermesse de l'école. Je me souviens encore de ma fin de CM2, la directrice avait fait un très joli discours sur le merveilleux esprit d'entraide qui avait régné pendant les préparatifs, mais personne n'était dupe. Tout le monde savait que la maîtresse de CE1A avait effacé la cassette du spectacle des CE2B, que ma mère avait foutu du sel dans le clafoutis de la mère de Clara pour que sa tarte aux pommes se vende mieux, et que derrière le grand débat, jeu de quilles ou chamboule tout en boîte de cassoulet William Sorin, se tairait en réalité un conflit de lutte des classes. Bon bah l'Eurovision, c'est pareil. Un coup c'est le conflit israélo-palestinien qui est sur le tapis, enfin derrière le rideau. Un coup le génocide arménien. Depuis 2 ans, c'est la guerre en Ukraine. J'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil des spotlights. Mais ce que je déplore vraiment, c'est qu'on ne l'assume pas. Je pense même que c'est là, sur scène, qu'aurait dû se régler le conflit. Un peu comme un tournoi médiéval version chanson. On aurait dû mettre face à face le champion russe et le champion ukrainien et voir qui embroche qui, enfin qui chante mieux que qui. Solution totalement démocratique en plus, puisque c'est le public, autrement dit le monde entier, qui vote. Enfin bon, il n'en reste pas moins que quand je réussis à faire abstraction de la politique, j'adore ce télécrochet. De toute façon, je regarde tous les concours de qui c'est qui chante le mieux. La Starac, The Voice, et puis bien sûr l'Eurovision. Ah, c'est mon préféré, c'est bien normal, hein. J'ai regardé ce truc toute ma vie. Avant, c'était avec ma mère et ma grand-mère qui sont partis faire la bamboula avec Mike Brandt et Johnny Hallyday. Et maintenant, c'est avec mes copines Josiane et Colette. Chaque année, on a le même rituel, on se retrouve chez l'une ou l'autre et on se fait un plateau télé avec une thématique culinaire correspondant au pays qu'on soutient. L'unique ombre au tableau, c'est l'origine mélangée des candidats. Rien de raciste dans tout ça, ce qu'on aime justement de l'Eurovision, c'est son côté United Colors of Benetton, c'est juste que ça fout le bordel dans nos menus. Cette année, par exemple, on soutenait la France dont la candidate est canadienne, donc j'ai fait un bœuf bourguignon à la poutine. J'ai bien dit la poutine, hein, le plat québécois avec les frites et le fromage fondu, pas le président russe. Bref. Bon bah, façon bourguignonne, c'est moyen bien passé. Il m'a fallu 18 Alka-Seltzer pour digérer ça. Bah bon, c'est pas grave parce qu'on s'amuse. En tout cas, une chose est sûre, ce que je ne digère pas, c'est notre défaite. Notre 46e défaite depuis que Marie-Myriam a fait gagner la France avec l'oiseau et l'enfant. Et c'était sous Giscard. Depuis, rien. Nada. Pot de balle. Cette année encore, on n'a pas été sélectionnés. Alors qu'on a fourni bien plus d'armes à l'Ukraine que la Suède, qui a encore gagné. Zut, à la fin. Non, franchement, moi je comprends notre candidate qui a fait un doigt d'honneur à l'annonce des résultats. Elle dit que c'était pas ça. Bah moi, à sa place, j'aurais assumé. D'ailleurs, je peux vous dire qu'avec les copines, on s'est pas privé devant notre télé. Ah, bah voilà, c'est malin. Je me suis toute énervée, je sais plus quoi penser. Ah, bah vivement les Miss France que je me calme.